Rabbeinu Ha'ari, la Kabbalah nous dit quelque chose d'important à propos des mains. Premièrement, ce n'est pas bien de mettre les mains dans le dos. Le dos, c'est l'endroit des forces du mal. La face devant, c'est les forces du bien. Derrière, c'est les forces du mal. Donc, quand on met les mains derrière, quelque part, on donne un flux aux forces du mal, à Dieu ne plaise. Deuxièmement, de ne pas croiser les mains ensemble. Parce que ce sont deux axes différents, un de Din et un de Chesed. Le fait de les croiser, ce n'est pas bien. Troisièmement, de ne pas lever, c'est marqué dans le Zohar clairement, de ne pas lever les mains au-dessus de la tête pour rien non plus. Pour une tête d'aïm, on le fait. La prière, peut-être oui, peut-être non, on voit que Moshe Rabbeinu l'a fait. Si notre prière a besoin qu'on lève les mains, alors oui. Faire attention à cela, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.